Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. L'ouverture de la conférence de la paix sur le Kosovo. Jacques Chirac en appelle à la responsabilité historique des négociateurs et avertit que la France ne tolérera pas que le conflit persiste. En Jordanie, le prince Abdallah prête serment et devient régent du royaume. Le roi Hussein, contrairement à la rumeur, est toujours à l'hôpital d'Amman, maintenu artificiellement en vie. Le scandale de l'Arc, Jacques Crosemarie devra répondre devant le tribunal correctionnel de Paris d'abus de confiance et recel d'abus de biens sociaux. Les folles journées de Nantes, un événement populaire, la musique classique autrement, une centaine de concerts et le talent des virtuoses. Mais d'abord, place au rugby, la laborieuse victoire du 15 de France à Dublin cet après-midi qui a sauvé la face en remportant ce match d'ouverture du tournoi des 5 nations sur une pénalité de dernière minute contre l'Irlande. La pluie, les fautes des tricolores, pas le moindre point pendant la première heure et fort heureusement un dernier quart d'heure plus offensif. Christophe Duchiron, Herve Pozzo. On dit souvent du rugby qu'il est un sport de combat, on dit souvent de certains joueurs qu'ils sont des guerriers. Aujourd'hui, à Lansdowne Road, il y eut du combat et des guerriers, de l'engagement physique et des bourre-pifs. Il y eut des coups et des couleurs. À cause de la pluie et des publicités sur la pelouse, la peinture déteint, le talonneur irlandais ressemble à un schtroumpf. En première période, les Irlandais dominent les débats. Ils inscrivent deux pénalités grâce à leur demi d'ouverture Humphreys, 6-0 à la mi-temps. On attend la réaction des Bleus et c'est la pluie qui dégringole. Après la pluie, la deuxième mi-temps. David Humphreys, avec sa tête de bombardier, il ajoute 3 points supplémentaires. Les Français sont menés 9-0. Les Irlandais n'ont pas battu la France depuis 15 ans. À ce moment-là du match, ils doivent se dire que c'est le grand jour. Mais enfin, les Bleus se décident à mettre la pression. Pénalité jouée à la main. C'est furieux et beau à la fois. C'est ensemble que l'armada tricolore transperce les verts. Et c'est collectif, l'essai du cœur et de la rage au ventre, et c'est transformé. Les Bleus reviennent 9-7. On joue les dernières minutes du match. Pénalité française. Thomas Castagnède a la victoire au bout de la chaussure. Ça passe entre les poteaux. 10-9 pour la France. Mais ça n'est pas terminé. Voilà la dernière chance des Irlandais pour Humphreys. Apparemment c'est facile. Et pourtant cette pénalité n'est pas transformée. Les Bleus ont gagné. Le rugby est fait de combat. C'est vrai que cette notion-là a été bien acquise par les Irlandais depuis leur plus jeune âge. Je crois que par moment, c'est vrai, il y a eu quelques débordements. On a repoussé, disons, un peu les limites sur ce match-là, mais il n'y a rien eu de très méchant. Les Bleus ont frisé la défaite, alors à la fin du match, ils étaient heureux comme des papes du rugby. Quant aux Irlandais, ils auront ce soir la bière un peu triste, le goût amer de la défaite. J'en viens maintenant à ce premier dossier de l'actualité internationale avec à Rambouillet l'ouverture des négociations de paix du Kosovo. C'est avec 3 heures de retard, mais en présence de tous les participants, que Jacques Chirac a donné le ton de cette réunion de la dernière chance. En substance, le président de la République a placé les négociateurs devant leurs responsabilités historiques. L'histoire est dans la main de quelques hommes, et ce sont ces hommes, serbes et albanais, qui devront chercher à s'entendre pour sauver la paix au Kosovo. Jérôme Beny, Bruno Livertout. Quelque part dans un village du Kosovo où la guerre est entrée dans la vie de tous les jours. Les représentants de la guérilla de l'UCK partent pour la France avec une journée de retard. À Rambouillet, au même moment, les ministres britanniques et français des Affaires étrangères s'arment de patience. Hubert Védrine a dû passer une partie de la nuit au téléphone pour convaincre les autorités de Belgrade de laisser la délégation adverse quitter Pristina. Vers 15h, c'est chose faite. La délégation des Kosovars d'origine albanaise décolle vers Rambouillet à bord de 2 jets envoyés par le gouvernement français. Mais le plus difficile reste à faire, amener les représentants des 2 belligérants à la table des négociations. Pour le chef de la délégation yougoslave, l'UCK est une organisation terroriste. Il y a parmi eux des assassins et des kidnappeurs de citoyens innocents. Et nous n'avons rien à négocier avec eux. À 18h, les Kosovars d'origine albanaise arrivent enfin, UCK et modérés confondus. Le président Chirac peut lancer la négociation marathon de la dernière chance pour la paix, en rappelant aux Yougoslaves et aux Albanais du Kosovo qu'ils ont leur place dans l'Europe. La France, pas plus que ses partenaires européens, américains
ou russe ne tolérera que persiste un conflit qui bafoue les principes essentiels de la dignité humaine. Nous n'accepterons pas que ce cycle des violences menace de proche en proche la stabilité de tout le sud-est de l'Europe. Nous voulons la paix sur notre continent. Le sommet de Rambouillet commence avec une réussite, réunir dans une même salle ceux qui se battent depuis des années au Kosovo. Les négociateurs vont maintenant passer une ou deux semaines au maximum derrière les fenêtres du château. Le plan de paix sur lequel vont plancher les négociateurs est déjà prêt. Il passe par l'élection d'un gouvernement autonome du Kosovo dans les 9 mois et par le déploiement là-bas de forces terrestres de l'OTAN afin de faire taire les armes. Les armes qui ne se sont pas tues, puisqu'on a appris juste avant l'ouverture de ce journal cette explosion dans le centre de Pristina au Kosovo. Au moins 3 morts selon le premier bilan et plusieurs personnes grièvement blessées. Cette explosion s'est produite quelques minutes à peine après l'ouverture de la conférence de la paix à Rambouillet. Depuis ce matin, le destin de la Jordanie est entre les mains du fils aîné du roi Hussein. Le prince héritier Abdallah a été désigné régent du royaume lors d'une cérémonie où il a prêté serment. Contrairement à la rumeur qui, au fil des heures, était donnée comme une information certaine, le roi Hussein agonise toujours à l'hôpital et n'a pas été transféré au palais. Sur place, la gravité et la tristesse de la population, Isabelle Stess. Lorsque le désespoir d'une reine croise la détresse de son peuple, « ne pleurez pas », leur dit-elle. C'était cet après-midi devant l'hôpital Al-Hussein, entouré des enfants du roi, la première apparition publique de la reine Nour. Châle blanc et manteau noir, la tenue de deuil des femmes au Moyen-Orient. À cette foule immense que les forces de l'ordre ne contrôlent plus, la reine a exprimé sa reconnaissance, car ils sont venus de tout le pays pour implorer Dieu de sauver leur roi. Moi-même et tous les gens ici, on est prêts à donner nos organes pour que vive le roi. Notre peuple a besoin de lui. Le roi Hussein, c'est notre sang, nos veines. On ne peut pas imaginer notre vie sans lui. J'implore Dieu pour que vive le roi Hussein, pour que vive le prince Abdallah et toute la famille hachémite. Ils veulent encore y croire, mais leur roi est dans un coma profond. Il survit sous respiration artificielle. Dans la presse jordanienne, on reste toutefois prudent. Les journaux invitent la population à ne se fier qu'aux communiqués officiels, état stationnaire, selon le médecin personnel du roi. En fin de matinée, le ministre de l'Information annonce que le roi Hussein est dans l'incapacité de gouverner. Le prince Abdallah se présente alors devant le gouvernement. Il est investi de tous les pouvoirs que confère le trône. Selon les règles de succession, dès que le palais royal annoncera officiellement le décès du roi Hussein, le prince Abdallah prêtera serment devant le Parlement. Sa première décision sera de désigner son prince héritier. Ce devrait être son demi-frère, le prince Hamza, le fils aîné de la reine Nour, conformément aux souhaits exprimés par le roi. La Jordanie, vous le savez, est peuplée pour plus de la moitié par des Palestiniens qui ont eu à affronter en septembre 70, lors du Septembre Noir, les soldats du roi Hussein. Aujourd'hui, ils font partie prenante du royaume. Philippe Rochaud et Patrick Voix se sont rendus dans ces camps où s'était déroulée précisément la guerre de 70 pour voir comment les Palestiniens réagissent à la disparition annoncée du roi Hussein. Nous avons au moins une reine, disaient les Palestiniens ce matin. L'épouse du régent Abdallah, la princesse Rania, est d'origine palestinienne et c'est un atout entre les mains du nouveau pouvoir. 100 000 Palestiniens vivent dans ce camp de Baqa, aux portes d'Amman. Mais dans le pays, près de 65% de la population est d'origine palestinienne. Ces gens ont raconté à leurs enfants la répression des soldats du roi Hussein en 70, quand les fédayines ont tenté de prendre le pouvoir. Plus de 5 000 morts, mais officiellement du moins, ils ont pardonné. On ne sait pas ce que sera le sort des Palestiniens après la mort du roi Hussein. C'est le pont qui nous relie au monde. C'est l'air qu'on respire. Car les Palestiniens savent aussi que le roi Hussein a plaidé leur cause, défendant en même temps les intérêts et la sécurité de la Jordanie. Chacun y retrouvait son compte. Le patron des affaires palestiniennes n'a pas eu le temps de mettre la photo du vrai successeur du roi sur son bureau, mais pour lui, Hussein avait jeté les bases de la paix pour les Palestiniens en se battant aux Nations Unies et en faisant reconnaître leurs droits.
Alors, dans les camps de Baqa ou de Wardat, où s'est déroulée la guerre entre l'armée royale et les Palestiniens, mais où la paix règne aujourd'hui, on guette ce que fera le successeur du roi Hussein. Son fils, je crois, il va suivre sa politique, il va suivre tout ce qu'il a fait. Mais les Palestiniens en Jordanie, c'est aussi ça, le monde des affaires, les banques. Les deux tiers de la finance sont entre les mains des Palestiniens. Le nouveau régent devra en tenir compte, mais on n'aime pas ici diviser la population de ce pays entre Jordaniens et Palestiniens. Le docteur Nabil Barakat, l'un des plus gros hommes d'affaires de Jordanie, représentant de Boeing et de la SNECMA, regrette qu'on mette en avant ce clivage qui pour lui n'existe pas. Je suis Jordanien d'origine palestinienne naturellement, mais j'attends vraiment une coopération plus étroite entre le gouvernement jordanien et l'autorité palestinienne. Il faut trouver une position commune afin de négocier avec Israël comme le roi Hussein l'a fait dans le passé. Mais qu'ils vivent dans les camps de réfugiés ou dans le monde des affaires, les Palestiniens de Jordanie savent que le régent Abdallah devra sans doute affronter, dans les semaines qui viennent, le choc de la proclamation d'un État palestinien par Yasser Arafat. Le prince Abdallah, âgé de 37 ans, avait confié il y a 2 mois encore qu'il ne souhaitait pas devenir roi. Cet homme propulsé au premier rang en quelques jours après la révolution de Palais menée par son père est un novice en politique. Sa formation est militaire. Portrait de celui qui détient désormais les rênes du pouvoir, Richard Binet. C'était sa première voiture, offerte par un père passionné de sport automobile, Hussein de Jordanie. Sa mère, Tony Gardner, seconde épouse du souverain, était une ancienne citoyenne britannique. Il héritera d'elle d'un anglais parfait, d'une éducation à l'occidentale et d'un goût prononcé pour les voyages. Comme son père, à qui il voue une admiration sans limite, il fait Sandhurst, le Saint-Cyr anglais, puis complète sa formation aux affaires internationales à l'université de Washington. Entre deux examens, il n'hésite pas à prendre le volant d'un 4x4, le temps de participer à un rallye africain. En 1984, le roi Hussein le rappelle au pays et lui confie la responsabilité des forces spéciales de sécurité. Il devient alors l'un des généraux les plus populaires de Jordanie. L'armée lui est désormais acquise. Musulman respecté, descendant du prophète Mahomet, ici en pèlerinage à la Mecque, il offre en 1993 aux Palestiniens leur première reine, Rania al-Yassin, une Cisjordanienne à laquelle il unit son destin de prince hachémite. Un geste apprécié, un atout même dans un pays où plus de 60% de la population est d'origine palestinienne. Pour beaucoup sur la scène internationale, le prince Abdallah était un inconnu. Pourtant, depuis plusieurs années, il avait su entretenir de solides amitiés avec plusieurs princes des monarchies du Moyen-Orient. Leur aide suffira-t-elle à contenir la crise économique qui frappe le pays depuis 10 ans? Nombreux sont les Jordaniens déçus par un processus de paix qui n'a pas amélioré leur sort. Ce sera là sans doute son principal défi. Et en direct d'Amman, Philippe Rochaud, désormais la Jordanie est gouvernée donc par le prince Abdallah, un homme qui n'a démontré aucune capacité particulière à diriger. Alors aura-t-il les moyens de gouverner et sur quelle équipe va-t-il s'appuyer? Écoutez, il aura les moyens de gouverner dès l'instant où il appartient à l'armée, où il est bien installé dans l'armée. Bon, l'armée jordanienne, c'est quelques 100 000 hommes, mais celui qui tient l'armée tient le pays. Or, le prince Abdallah est bien installé et bien accepté dans l'armée jordanienne. Il aura aussi à faire quelques négociations avec le prince Hassan, à qui il a en quelque sorte soufflé le pouvoir sous l'inspiration du roi Hussein. Mais là, on dit qu'il accepterait finalement de gouverner avec lui. En tout cas, pour l'instant, il essaye d'asseoir son pouvoir. Jusqu'à au moins lundi, peut-être on annoncera alors la mort du roi Hussein, mais jusque-là il veut verrouiller tous les postes pour être sûr que le pays ne bougera pas à l'occasion de l'annonce de la mort du roi. Quels sont les atouts dont va disposer dès les premiers temps le régent? Écoutez, déjà il a l'appui des États-Unis. Bill Clinton a renouvelé son soutien à la Jordanie, il veut même renforcer la Jordanie politiquement et économiquement. Et puis on a aussi les États arabes unis, les Émirats arabes unis, qui veulent quelque peu renflouer le dinar jordanien qui s'était trouvé en faiblesse
à la suite de l'état de santé du roi Hussein de Jordanie. Donc on ne peut pas se passer en fait de la Jordanie dans le Proche-Orient. C'est un véritable trait d'union entre Israël et les Palestiniens, entre l'Occident et le Moyen-Orient. Donc finalement, toutes les puissances occidentales vont miser à nouveau sur la Jordanie, vont miser à nouveau sur le prince Abdallah, le régent. Merci Philippe Rochaud pour toutes ces précisions. Lionel Jospin, ce matin, a évoqué la disparition du roi Hussein de Jordanie, précisant qu'il s'agira alors bel et bien d'un tournant pour le Proche-Orient. Nous l'écoutons. Nous savons le rôle que le roi Hussein de Jordanie a joué dans le processus de paix, aussi dans la constitution et la solidification de son propre pays. Donc c'est un tournant, c'est un moment important pour le Proche-Orient. J'espère que ça déterminera davantage les forces de paix à peser dans le sens de la solution la plus utile. En Corse, l'hommage solennel à la mémoire du préfet Erignac, une cérémonie d'une grande sobriété ponctuée par la sonnerie aux morts. Claude Samper, Christian Autain. Une cérémonie brève, sobre, à l'intérieur même de la préfecture d'Ajaccio. Quelques minutes d'émotion et de recueillement à la mémoire du préfet Claude Erignac en présence des autorités civiles et militaires de l'île. Dépôt de gerbes de M. le Président de la République par M. le Préfet de Corse. Quatre gerbes déposées au nom du Président de la République, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et du maire d'Ajaccio. Tout le personnel de la préfecture est là. Très ému, l'ancien chauffeur du préfet. On ne peut pas oublier ça. J'ai une pensée pour Mme Erignac, c'est tout, pour la famille, pour son père. C'est tout. Merci. Quelques instants plus tard, seuls les élus diront quelques mots. J'ai une tristesse qui m'envahit. J'ai un recueillement qui s'impose. Je crois que la consternation et l'indignation sont toujours là. Et il faut que la Corse continue à se dresser contre l'arbitraire, contre l'insupportable, contre le crime. Un seul absent de marque ce matin, le sénateur Paul Natali, récemment mis en examen dans une affaire de marché public. Devant le palais Lantivy, aucun rassemblement spontané, à peine une dizaine de personnes. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Mais vous savez, je crois que ça se passe dans le cœur. Je sens qu'il n'y a pas d'émotion. Ou alors, comme d'habitude, l'émotion est très cachée, n'est-ce pas? Ça fait très Corse. Il y a un an, c'était plus de 40 000 personnes qui étaient descendues dans la rue à Bastia et à Ajaccio. Cet après-midi, sur les lieux mêmes de l'assassinat, il y avait juste trois bouquets et quelques bougies. Après trois ans d'investigation, Jacques Rosemary, l'ancien patron de l'ARC, comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Paris. Le scandale financier qui a éclaboussé l'Association pour la recherche contre le cancer aurait abouti à des détournements de fonds de plus de 200 millions de francs. L'ancien président de l'association devra répondre devant la justice d'abus de confiance et recel d'abus de biens sociaux. Je vous propose maintenant de voir comment l'ARC continue aujourd'hui de fonctionner. Après le traumatisme des premiers temps, l'association reprend le dessus. Une association rigoureusement contrôlée. Pascal Doucet-Bon, Guillaume Fautra. Ce vieux logo, les dirigeants de l'ARC voudraient bien ne plus jamais le revoir. L'association a fait peau neuve, mais elle a longtemps rechigné à ouvrir ses portes aux médias depuis le scandale. Le nouveau président avoue avoir attendu plus de deux mois avant d'oser s'asseoir au bureau de Jacques Rosemary. Le voici aujourd'hui plutôt content de son bilan. Les frais généraux et de communication ont fondu comme neige au soleil. On évitera d'être victime de surfacturation, ça a permis, dès l'année 96, de faire des économies considérables. Lorsqu'il a pris les rênes, il y a deux ans, Michel Lucas a découvert une gestion interne bien curieuse. Par exemple, certains salaires étaient ridiculement bas, d'autres s'étaient envolés. Il a fallu y mettre bon ordre, sans pitié. Il y a des réductions qui sont allées jusqu'à 20%. Certains n'ont pas accepté cette réduction. Ça s'est traduit comme le droit du travail dispose qu'il faut le faire. Le service des dons, c'est là que les employés ont le plus souffert du scandale. René a travaillé plus de 20 ans avec Jacques Rosemary, puis elle a subi les insultes des donateurs furieux et la suspicion de ses proches.
Moi, j'ai un oncle qui est atteint, il m'a dit, mais enfin, tu n'as rien vu. Si vous aviez M. Crozemaré en face de vous maintenant, vous lui diriez quoi? Bah, écoutez, je l'interrogerais. J'aimerais bien que, les yeux dans les yeux, qu'il me dise un petit peu, parce que partout, il dit, je n'ai rien fait, je suis innocent. Donc moi, j'attends comme tout le monde le procès. J'aimerais bien savoir exactement quelles sont les parts de responsabilité de chacun. Lui évoque le déshonneur qui a rejailli sur toute la recherche. L'équipe de Jean-Pierre Martin étudie les phases précoces du cancer du poumon avec l'aide de l'ARC. Le contrôle des défenses est bien plus exigeant qu'avant et cela lui convient parfaitement. Un appareil qui est envisagé pour développer une certaine technique de recherche, c'est celui-là qui est commandé, ce type d'appareil tout au moins, et pas un autre ou un peu n'importe quoi comme on l'a vu dans le passé. Pour tourner définitivement la page, l'ARC attend maintenant le procès. Il pourrait s'ouvrir en septembre prochain. Politique avec à Créteil, le congrès du mouvement des citoyens, en présence de Jean-Pierre Chevènement, qui prendra demain la parole pour donner clairement sa position pour les prochaines élections européennes. Aujourd'hui, la base des militants a plaidé pour une liste indépendante conduite par le ministre de l'Intérieur. Et puis à Paris, devant les jeunes du RPR, Philippe Séguin a clairement laissé entendre qu'il conduira la liste pour les européennes, même s'il n'est investi officiellement que la semaine prochaine. C'est en européen convaincu et sans état d'âme que s'est exprimé le président du RPR, autrefois farouchement opposé à Maastricht. Sur place, Laurent Hakim, Jacques Grégoire. L'infidélité probable des centristes pour les européennes n'aura pas entaché la fête des jeunes du RPR. Si Philippe Séguin n'est pas encore officiellement en tête de liste, dès aujourd'hui, il s'affirme et il prend date. Il renvoie dos à dos ses deux adversaires à droite, François Bayrou et Charles Pasqua. À chaque rendez-vous européen, on a de la peine à éviter deux écueils. Une sorte d'euro-béatitude, d'un côté, une véritable euro-allergie, de l'autre. Ces élections, je le répète, elles doivent être un vrai moment de vraie démocratie. Nous considérons que c'est notre devoir d'agir pour qu'il en soit ainsi, et je considère moi-même que c'est mon devoir. Les jeunes militants, eux, veulent encore croire à une possible alliance avec le centre. Je souhaite vraiment qu'il y ait une alliance profonde avec l'UDF, car si on veut vraiment gagner, si on veut battre les socialistes aux élections, je pense qu'il faut être unis. Non, le RPR, c'est le RPR. Soit ils acceptent l'alliance et ils viennent, soit ils refusent l'alliance et ils s'en vont. Espérons, oui, une liste la plus large possible. Mais sauf surprise, François Bayrou à l'UDF annoncera demain sa candidature. L'entrée en lice officielle de Philippe Séguin est prévue samedi prochain. Les premiers départs pour les vacances scolaires de février, avec une circulation toujours très dense en fin d'après-midi, en direction des stations de sport d'hiver, dans la vallée de la Tarentaise, plusieurs kilomètres de bouchons sur la route qui monte aux stations, un trafic perturbé par des chutes de neige au-dessus de 600 mètres. Les automobilistes sont encouragés à mettre leur chaîne au plus vite, ce qu'ils n'ont pas fait une grande partie de la journée. Ce samedi, je vous rappelle, est classé rouge en Rhône-Alpes. Nouvel épisode médiatique dans l'affaire Lewinsky avec depuis le début de la matinée aux États-Unis la diffusion sur les chaînes de télévision du témoignage vidéo de l'ancienne stagiaire de la Maison-Blanche, témoignage recueilli dans un hôtel de Washington la semaine dernière. Il s'agit du 23e interrogatoire sous serment. Philippe Gasso. Monica Lewinsky, pour la énième fois, jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. La jeune femme bénéficie d'un accord d'immunité, sauf si l'on peut prouver qu'elle ment. Si elle se parjure, elle pourra être jugée et même condamnée. Jusqu'ici, on avait entendu sa voix, mais c'est la première fois qu'on la voit parler. L'ancienne stagiaire de la Maison Blanche, qui donne l'impression d'être maîtresse d'elle-même, a parfois des regards vers ses avocats qui trahissent son désarroi. Cependant, Monica, durant 6 heures d'interrogatoire devant la caméra, ne faiblira pas, ne se coupera pas. Tout ce qu'elle dit peut être retenu contre elle, elle le sait, elle fait donc très attention. Elle préfère parfois lire. Si le président avait dit, écoute, tu ferais mieux de ne rien dire sur notre relation, tu ne devrais pas leur dire la vérité, tu ne devrais pas. Pour moi, la meilleure façon d'expliquer ce qui s'est passé, c'est de dire, personne ne m'a poussé à mentir, mais personne ne m'en a empêché non plus. Essayons d'en savoir plus sur la version de Mlle Lewinsky sur son entretien du 19 décembre. Je ne me souviens pas exactement des termes des questions de M. Jordan, mais il y avait en tout cas deux questions. Quelque chose du genre, avez-vous eu des relations sexuelles avec le président ou alors le président a-t-il insisté pour en avoir? Quelque chose comme ça.
Les bandes vidéo des principaux protagonistes présentés aux sénateurs ne montrent pas d'importantes contradictions. Dans l'affaire Lewinsky, rien de nouveau. Aux États-Unis toujours, l'incroyable et tragique histoire digne d'un scénario de film qu'on aurait jugé invraisemblable. L'histoire de ce condamné à mort américain qui se trouvait depuis 16 ans dans le couloir de la mort. Ce sont des étudiants en journalisme aidés par un détective privé qui ont permis d'innocenter cet homme qui a été libéré vendredi dernier. Patricia Charnelet. Regardez la joie d'un homme qui sort de prison après y avoir passé 16 ans. 16 ans à attendre la mort dans le couloir des condamnés à la peine capitale. Anthony Porter avait pourtant toujours nié le double meurtre dont on l'accusait. Je me sens bien, je suis libre, vous comprenez? Porter est vraiment un miraculé, car déjà le 25 septembre dernier, il devait être exécuté. Mais deux jours avant, son avocat obtient un délai et dans le même temps, il contacte un professeur de journalisme, connu pour ses talents d'enquêteur. Celui-ci, avec l'aide d'un détective privé, fait refaire toute l'enquête à ses étudiants. Et il retrouve le coupable, grâce à son ancienne femme qui le dénonce. Le meurtrier, Simon, avoue tout. Une affaire de drogue qui a mal tourné. Une histoire en tout cas incroyable dont s'emparent aujourd'hui les opposants à la peine de mort. Ils demandent une suspension de toutes les procédures d'exécution. Aux États-Unis, depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976, 74 condamnés à mort ont été libérés après avoir été innocentés. La carrière de Mike Tyson pourrait s'achever avec la condamnation à un an de prison ferme pour le boxeur qui a agressé deux automobilistes à la suite d'un carambolage. Denis Guérin. Mike Tyson menotte au point. L'image n'est pas inédite, mais elle pourrait bien, cette fois-ci, mettre un terme à la carrière du boxeur américain. Les faits qui le conduisent à nouveau en prison remontent au 31 août dernier. Ce jour-là, à la suite d'un accident de la circulation dont sa femme est victime, il frappe à la mâchoire le conducteur en faute, ainsi qu'un autre automobiliste. Pour cet accrochage qui peut paraître mineur, le tribunal fédéral de Rockville a condamné Tyson à un an de prison ferme. Le problème, c'est que l'ancien champion du monde des lourds n'en est pas à ses premiers travers. Condamné pour viol à 10 années d'emprisonnement en 1992, il était en liberté conditionnelle depuis sa sortie de prison pour bonne conduite en 1995. Résultat, il pourrait bien être condamné à purger le reste de sa peine. Incorrigible, Mike Tyson, il y a 3 semaines, il remontait victorieusement sur les rings en mettant KO le Sud-Africain Botha. Aujourd'hui, à 32 ans, il risque tout simplement de ne plus jamais reboxer. Et pour cause, suspendu une première fois après avoir mordu l'oreille des Vander Holyfield en juillet 97, il avait retrouvé sa licence à une condition, ne plus jamais retourner derrière les barreaux. C'est chose faite depuis ce matin, le champion des comebacks aura bien du mal à revenir. En ski, c'est l'Autrichien Hermann Mayer qui a remporté le championnat du monde de descente à Veil en 1 minute 40 secondes et 60 centièmes. Les Norvégiens ont obtenu l'argent et le bronze. Les folles journées de Nantes ou la musique classique autrement, l'engouement du public pour cette manifestation éminemment populaire, une centaine de concerts autour d'un siècle de musique française, celle de Bizet, de Satie ou encore de Ravel. Michel Monpontet et Philippe Luzy ont suivi deux concertistes, le violoniste Régis Pasquier et la pianiste Brigitte Angreur. Une journée folle. D'habitude, le samedi matin, la pianiste Brigitte Angerer part plutôt faire son marché, mais ici... Angerer, qu'est-ce que vous avez dans ce sac si lourd? C'est vrai qu'il est très lourd, c'est les partitions pour la journée. Seulement pour la journée d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que demain, il y en a autant. Vous devez se foncer, vous devez être en retard. Oui, merci. À bientôt. Quelque part dans les coulisses, le violoniste Régis Pasquier a lui pris de l'avance. Son merveilleux violon n'a pas pour habitude d'être réveillé si tôt, mais avec un tel emploi du temps... Mais ce qui est dommage, c'est que... J'ai tous mes amis qui jouent, mais ils jouent au même moment, alors je peux pas les écouter. On ne peut pas tout faire. Première étape. 9h45, l'heure du petit déjeuner. Brigitte Angerer, elle, souffre. Peu habituée à voir son trac se réveiller si tôt. Mais il n'y a pas qu'elle à souffrir de l'attente et du rythme staccanoviste de ces folles journées. Il y a aussi eux et elles qui, depuis Potron Miné, se bousculent de salle en salle. Madame, vous allez voir combien de concerts aujourd'hui? Quatre. Et vous, madame? Deux.
3. Ça vous paraît pas beaucoup? Oh non, c'est pas assez. Le fait que le public ne soit pas mélomane ou vienne rarement au concert classique, ça te donne moins le trac? On se dit, en fin de compte, ils y connaissent pas grand-chose, ça change rien? Non, pas du tout. Au contraire, on a envie de les persuader que la musique, c'est quelque chose qu'on peut comprendre et aimer. Guerrer illumine Ravel, la course folle de son collègue Pasquier ne connaît pas de pause. Il est midi, cinquième concert, mais quelques trucs avoués en passant. Petit secret. Ça, c'est comme le sportif. Ça donne de l'énergie. Et de l'énergie, il en faudra. À eux deux, ils auront joué aujourd'hui 11 fois. En direct du Grand Hall de la Cité des Congrès de Nantes, Michel Monpanté, vous êtes entouré de musiciens et de qualité pour ces concerts classiques plutôt dépoussiérés. Effectivement, je crois que le monde de la musique classique a, somme toute, assez peu l'habitude de s'apercevoir que la musique classique est d'abord un plaisir, est d'abord une fête et une joie. Et qui était mieux placé que moi que les musiciens qui sont juste derrière moi dans cette grande nef en train d'interpréter le répertoire d'harmonie municipale, l'harmonie municipale de Saint-Nazaire? Ce sont des amateurs qui nous rappellent que dans amateur, il y a le mot amour, cet amour passionné pour la musique, et c'est eux qui ont montré le chemin aux véritables professionnels de ces folles journées de Nantes. Alors actuellement, juste en dessous de mes pieds, il y a le grand auditorium, et dans le grand auditorium, on est en train de jouer, d'interpréter le très célèbre Carnaval des animaux de Saint-Saëns avec une véritable pléiade de solistes français. Alors, on les écoute? Mais comment ne pas se rappeler que Camille Saint-Saëns, lorsqu'il a composé cette partition, le Carnaval des animaux, avait interdit qu'elle soit jouée de son vivant. Il disait « la musique classique doit être sérieuse ou ne doit pas être ». On voit le résultat, Saint-Saëns a écrit des centaines d'heures de musique, et la seule chose qui soit connue dans le monde entier, c'est cet instant de pur plaisir qu'est le Carnaval des animaux, peut-être une leçon à méditer lors de ces folles journées à Nantes. Oui Michel, et peut-être un petit mot sur le programme de l'année prochaine? Eh bien l'année prochaine, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, 250 ans après la mort de Jean-Sébastien Bach, les folles journées de Nantes seront consacrées au cantor, au maître cantor de Leipzig. Donc encore une fois, beaucoup de fêtes et beaucoup de passion pour ces folles journées de Nantes. Eh bien nous y serons, rendez-vous pris. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. L'ouverture de la conférence de la paix sur le Kosovo. Jacques Chirac en appelle à la responsabilité historique des négociateurs et avertit que la France ne tolérera pas que le conflit persiste. En Jordanie, le prince Abdallah prête serment et devient régent du royaume. Le roi Hussein, contrairement à la rumeur, est toujours à l'hôpital d'Aman, maintenu artificiellement en vie. Dans un instant, la météo, Nathalie Rioué. 20h50, une émission consacrée à Raymond Devos. 0h40, le dernier journal, Florence Duprat. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Jane Birkin. Midi polémique, Michel Cotta aura pour invité Bernard Thibault, le nouveau secrétaire général de la CGT. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.